Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un œil dans la rétro. Alors aujourd'hui, on va tester la rétrocompatibilité Xbox 360 sur Xbox One X d'un jeu que j'attendais énormément. C'est un de mes jeux préférés de la Xbox 360. C'est un grand RPG. Ce jeu, c'est Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Alors il faut bien préciser de Dragon Knight Saga parce que Divinity 2 était déjà sorti dans une première version, donc sur Xbox 360. Ensuite, ils avaient fait une extension donc qui était Flame of Vengeance, qui était vraiment, en fait la vraie fin, c'était vraiment la fin de Divinity 2. Et ils ont sorti une version qui regroupait directement les deux jeux, donc le jeu et son extension, et surtout avec une refonte graphique de Divinity 2. Donc voilà, la version simple de Divinity 2 est maintenant largement obsolète. Donc voilà, c'est un léger remaster, et surtout avec, enfin, une grosse édition GOTY remaster quoi. Et donc voilà, maintenant donc le jeu est développé par Larian Studio, un studio belge si je dis pas de bêtises, et il était édité par Focus. Voilà. Et donc voilà, donc on va voir tout de suite. Moi, c'est un jeu que j'adore, je l'ai fait avec passion sur 360, j'ai adoré. Vous allez voir, les dialogues sont fantastiques, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans le jeu. Il y a plusieurs zones, c'est un petit open world mais avec beaucoup de quêtes. C'est très très drôle, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont extrêmement drôles. On a un pouvoir dedans qui est vraiment super, qui permet de lire dans les pensées des personnages non-joueurs. On peut lire dans leurs pensées en dépensant des points d'expérience. Donc ça à choisir, est-ce qu'on préfère prendre le risque de trouver un trésor ou de résoudre une quête dans les pensées, ou alors on garde l'expérience pour développer le personnage. Après, dans le jeu, on peut se transformer en dragon, tout ça. Bref, il y a énormément de choses à voir. On va regarder un peu le début. En plus, le didacticiel est plutôt sympa, il montre bien l'ambiance du jeu. Mais là, vous allez voir un tout petit pourcentage, parce que pour arriver au bout du jeu, il faut franchement facile aller 50-60 heures et plus, beaucoup plus si vous voulez le faire à 100%. Donc voilà, on va voir si la rétro est bonne, ce que vaut le jeu sur Xbox One X. Donc voilà, je vous ai passé le temps de chargement, hein, c'était pas vraiment nécessaire. Là, on a droit à la petite intro qui permet d'avoir un... Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça doit être la seule cinématique du jeu. Oui, je crois que c'est tout. Après, il doit avoir une petite cinématique peut-être à la fin, je sais même plus honnêtement. Ça fait un bout de temps. Le jeu date de quand même de combien de temps? Je ne vois pas, il n'y a pas marqué l'année. Enfin bref, il a un petit bout de temps quand même, donc moi je l'avais fini. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté Divinity 2 à sa sortie et j'avais pas fini parce que j'avais galéré. Le jeu est assez dur quand on sait pas comment s'y prendre en fait. Il y a vraiment toute une tactique à élaborer pour développer son personnage avant d'avancer. Parce que comme je l'ai dit, c'est comme un open world, donc les zones sont libres. Mais si vous avancez trop vite, vous allez être coincé. Je vous laisse l'intro du coup, hein, parce que... Et voilà, donc j'avais galéré. Ensuite, ils ont sorti cette version-là. Et là, j'ai pu le finir. Donc, on va tout laisser. On va laisser le nom. On va laisser la dégaine de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de choix. Truc. On peut choisir, bien sûr, une fille ou un garçon. Comme d'habitude, je choisis un homme. Donc, voilà. Alors, directement dans le jeu, on est mis dans le vif du sujet. La première zone, c'est un tout petit village. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. C'est un petit village où on est laissé, en fait on a l'entraînement pour devenir un chevalier tueur de dragons, les Draconis. Et voilà, je vous spoil pas l'histoire. Donc au début on est un tueur de dragons. L'endroit où les disciples deviennent de vrais Draconis. Et c'est aujourd'hui ton tour. Alors vous voyez, vous avez comme dans tout bon RPG, on a les choix multiples. Ils sont fort simples. Va trouver les hommes et les femmes qui vivent ici et profite de leur savoir. Cela peut te sembler vague. Donc comme je l'ai dit, la première zone, elle permet de choisir son style de jeu. Parce qu'on peut choisir par exemple, si je dis pas de bêtises, soit plus guerrier, soit mage ou soit archer. On va tester les trois façons et on va choisir dans quelle voie on peut se spécialiser. Mais ce qui est bien, c'est que l'arbre de compétences est totalement ouvert. On peut donc développer plusieurs choses, plusieurs styles en même temps. Avoir de la magie tout en maîtrisant l'arc et compagnie. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un moment important dans la vie d'un Draconis. Et rares sont ceux à s'être mal débrouillés. J'aimerais vraiment retourner dans le village, mais cela m'est interdit. Ouais, donc c'est le village pour apprendre. De me joindre à toi. Chaque dragon... Non, pas tout à fait. Après l'initiation, on arrivera dans la première grande zone de jeu. Et en fait, le jeu est gigantesque. Là, c'est vraiment rien parce qu'il y a tellement de choses. Après, on peut se transformer en dragon. On aura des grandes zones ouvertes où on peut se mettre à voler et à se battre sous forme dragon. On aura une base à gérer avec des serviteurs et compagnie et tout. C'est vraiment génial. Comme vous voyez, la jouabilité est ultra simple.
C'est du c'est vu troisième personne. Hop, on peut faire des sauts avec la gâchette droite. Voilà. Et avec le bouton X, comme vous voyez, là, on a les capacités, on peut taper. Voilà, allez. Pour discuter, c'est LB. Les gens que tu dois rencontrer, bonne chance. Allez. Il me fait déjà engueuler alors que ça a à peine commencé. Je comprends pourquoi tu veux me parler. Mais non, je ne peux pas. Bonne rien. Chance. Allez, dégage. Cet endroit ravive bien des souvenirs. Donc, vous voyez, quand même, le jeu est assez beau. Bon, il a pris un coup de vieux, hein, comme je l'ai dit. Il est assez vieux, quand même, d'avoir bien avoir. 7 ou 8 ans quand même facilement. Hop, un petit coup de pompe dans le lapin pour gagner un point d'expérience. Ah, vous voyez là les menus. Alors ça peut être un peu intimidant au début, mais honnêtement ils sont plutôt bien faits. Donc là on a l'inventaire, tout l'arbre de compétences comme je disais qui est super balèze. Vous voyez prêtre, mage, guerrier, ranger, draconis. Tout ça, hop. On a donc le journal de quête qui va bien se remplir. Pas Kate de Lost, hein, le journal des quêtes. Là, on a la carte, vous voyez, la première zone. Ça, c'est pour rappeler les touches. Sauvegarder, charger, voilà. Simple, mais efficace. Allez, hop, donne-moi un point d'expérience. Pour les combats, bah, ce qui est bien, c'est que c'est du temps réel. Donc, du coup, c'est assez action. Par contre, c'est assez dur au début. Hein. Le temps de monter en compétence, vous allez vous retrouver dans des zones où vous allez souffrir le martyr. Mais voilà, il n'y a rien qui est insurmontable, c'est vraiment penser pour revenir quand on a développé de meilleures compétences, tout ça. Laissez-moi vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Brie-Loin, novice. Ouais, déjà, on peut, voilà, soit on parle comme un connard, ou soit on parle comme un mec cool. On va parler comme un connard. Le mot novice est offensant pour quelqu'un qui, depuis l'âge de 10 ans, a été... Ouais, même les cinémas, même les personnages ont pris un sacré coup de vieux, mais même les dialogues sont un minimum mis en scène quand même, plus que dans un Skyrim, par exemple. Le titre de Draconis. Je n'aurais pas dit. Je crois même que je n'ai qu'une chose à ajouter. Morgana vous attend près de la cascade. Allez la trouver. Plusieurs personnes. Les autres n'échangeront eux-mêmes, Draconis. Je passe un peu les dialogues. Les dialogues sont vraiment très très bons. Comme vous voyez, le jeu est intégralement doublé en français avec un très bon doublage en plus. Les mecs ont fait du plutôt bon boulot. Mais je passe quand même parce que bon, on va essayer de voir le maximum de choses. On va essayer au moins de passer la première zone de jeu. Parce qu'elle donne une assez bonne idée de ce que peut donner le jeu. Donc voilà, moi je suis le chemin, mais bon, je vous rassure. Normalement, on pose des questions. Ah, un coup de pompe pour Jeannot à lapin. Je n'ai rien contre le lapin, je vous rassure. Hein, c'est juste que... Voilà. Et oui, donc moi je connais le jeu par cœur. Hein, donc, surtout le début, non, que j'ai fait plein de fois. Combiner ce breuvage avec le distillat de la nuit dernière pourrait provoquer une implosion. Et il y a... Ce qui est vraiment génial dedans, c'est vraiment très très drôle. Par exemple, il y a un sorcier qu'on renvoie tout le long du jeu, dans les différentes zones. À chaque fois dans la zone, on tombe dessus et c'est un gros teubé. Et il fait à chaque fois des sorts, il veut nous canner gratuitement, mais il rate ses sorts et il se retrouve. Il va lui arriver que des crosses après quoi. Je suis Morgana, l'archimage de Brie-Loin. Voilà, être un peu un faire le connard. Je parlais avec inutile de me regarder comme ça. Ah oui, voilà, aussi quand on vient Draconis, on peut parler aux fantômes. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont sympas. Le rituel qui fera de toi. Tu ne manques pas d'humour, mais ce rituel est sérieux. Alors, un Draconis doit aïlien un vieil adage militaire. Comme je disais, on est chasseurs de dragons. Je vais te conférer les souvenirs draconiques. Cela donnera aussi à tes yeux le rituel. Je passe, hein, je vous pouvez lire, mais... Mais nul ne peut rien y faire. Prépare-toi. Allez, moi j'enchaîne direct, voilà. Vous voyez, donc ses yeux vont changer. Il va avoir les pupilles argentées, voilà, maintenant on peut voir les fantômes. Et voilà, tu auras peut-être un nouveau voyage commence pour toi. Mais avant de partir d'ici, Alberic, Aramir et n'oublie pas Isobel. Les souvenirs draconiques mis à part, le don qu'elle le sort présente un véritable inconvénient. C'est ah oui, voilà. J'en conviens. Donc du coup, ils ont trouvé une bonne idée pour refaire l'expérience, pour expliquer que le personnage doit tout apprendre à zéro. Bah, en fait, en devenant un draconis, bah, tu oublies tout ce que tu as appris avant. Donc du coup, tu dois recommencer à zéro. Et donc ça, c'est une bonne idée, scénaristiquement. Parce que souvent, dans les jeux, bah, on gagne de l'expérience. Et comme par exemple, on apprend des choses, alors que voilà, quoi, on les apprend de façon magique, bah là, non. Voilà, de très bonnes questions. Le gars a fait toutes ces années, il a appris des choses et finalement il a perdu tout. Ainsi qu'un esprit sans elle, les souvenirs draconiques. Mais bon, ils ont quand même la réponse, ça va. On pense à l'élu divin. Il me manque toujours un dernier. Et voyez, on peut discuter avec les.
Les fantômes qui ont le sens de l'humour en plus. Il a un sens de l'humour assez spécial. C'est très surfait. Je fais toujours le même travail. Mais aucun de mes anciens dans la salle. C'est un nom. Je passe, hein, je vous dis. Mais vraiment, les dialogues, c'est un gros gros plus du jeu. C'est, les dialogues sont vraiment passionnants, c'est très très drôle. Et comme je vous ai dit, le fait de lire dans les pensées, je sais pas si on va pouvoir le voir maintenant. J'espère en tout cas. C'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est une super idée. Ensuite, ils ont fait la préquelle en 2D isométrique, qui est excellente aussi sur One. Qui est Original Sin, il y a le 2 d'ailleurs qui doit bientôt sortir. Faites pas attention à moi, Draconis. Quelque chose comme ça. Mais oui. C'est moi qui me... Ça ne me gêne pas. Au revoir, Draconis. Bon, alors rien à dire d'intéressant. Là, vous voyez, par exemple, vous avez le mec qui te permet dans le jeu bienvenue. De changer de... Qu'est-ce que Tiresias peut faire pour vous? Un peu efféminé, hein. Vous insultez nullement. Je suis l'illusionniste. Donc du coup, lui, il peut nous faire changer d'apparence, vous voyez, comme ça, si vous voulez changer d'avis. Ça, c'est sympa aussi. Hop. Alors... C'est la première fois que je vous vois par ici. Profitez bien, votre séjour va briller loin. Voilà. Je constate que tu as rencontré Morgana. Nous pouvons donc passer à la phase suivante. Ah, voilà. C'est là, que, justement, qu'on va apprendre à lire dans les pensées. Alors, qu'est-ce qu'on va penser, Asie? On va penser que cette fille est vraiment mignonne. Mais je te surprends. Tu dois pourtant avoir... Et donc, maintenant... La réponse est simple. Bien sûr, à présent, ne bouge pas. Et voilà, maintenant on va pouvoir lire dans les pensées. Vous imaginez ce que je ferais avec ce don, hein, si je l'avais. Pouvoir lire dans les pensées des gens. Donc vous voyez là, en appuyant sur X, quand il y a une discussion, quand vous avez appuyé sur X, et voilà le courant d'expérience, là c'est un point d'expérience juste pour le truc. Et donc voilà. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a des quêtes qu'on peut résoudre que comme ça, où ça peut faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, si on cherche, un gars nous dit il a caché son trésor, ben on peut lire directement dans ses pensées. On dépense beaucoup d'expérience, mais ça nous évite de courir partout, quoi. Elle n'était à qu'un draconis. Porte-toi bien. Voilà. Maintenant, on va apprendre à se friter. On va essayer de gagner du temps, je vais aller faire directement. Moi, j'avais joué... Alors, je vous conseille, si vous voulez jouer au plus simple, de commencer en archer. Parce que comme les premiers combats sont assez difficiles, ben, du coup, en corps à corps ou en magie, c'est pas facile autant de monter en niveau. Et l'avantage avec l'arc, c'est qu'on peut mettre de la distance, repartir en arrière. Et il y a une compétence qui est un peu, voilà, quand vous réussissez aussi un autre truc. Quand on réussit une mission, ben on choisit la récompense qu'on veut. Donc du coup, là par exemple, là je vais prendre l'expérience en plus. Et voilà, du coup, hop, c'est bon. Alors non, qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, ah oui, d'accord, après c'est bon. Donc voilà, on peut choisir par exemple de gagner plus d'or ou plus d'expérience ou parfois des armes. Et ça, c'est pratique pour savoir comment on veut développer son personnage, quoi. Votre proie n'a qu'à bien se tenir. Le tir à la voix du ranger et donc, oui, comme je disais, donc avec l'arc, par exemple, il y a une compétence qu'on peut développer assez rapidement qui permet de lancer des flèches explosives et qui débarrasse bien des ennemis assez puissants. Donc c'est bon, alors j'ai pris mon truc d'archer. Ah oui, voilà, donc maintenant vous voyez. Alors, compétences, est-ce que j'ai des points? Non, j'ai pas de points. Donc là, je suis archer. Alors, on va se casser. Parce que normalement, dans le village, du coup, on peut tester aussi la magie ou le corps à corps. Je crois qu'il est temps pour vous de retourner, mais n'oubliez pas. Donc, du coup, moi, je vais pas vous passer tout ça. Hein. Comme ça, on va aller directement dans la première zone. Vous allez pouvoir voir les premières quêtes. Voilà. Bon, ça a de beau reste, hein, graphiquement. Bon, c'est vieillot, hein. C'est assez anguleux. De toute façon, à la base, le jeu avait déjà un design typé assez PC, on va dire. Donc, assez... mais voilà, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot sur leur master. Apparemment, regardez, vous pouvez essayer de lire ces pensées-là. Nous n'avons pas le temps de jouer à comme eux sont draconistes, bah, forcément, ils... Nous venons d'être informés. Bien que ce soit une excellente... Je devais accomplir si nous le reposons aussi haut. Je vois que tu as la destinée des draconistes. Et voilà, là, on part directement dans le cœur du sujet. Et là, vraiment, le didaxiel est fini à ce moment-là. Là, elle nous dit qu'il y a un dragon qui a été repéré dans la ville. Donc, du coup, on part... Et ça s'enchaîne direct. Ça aura droit à la cinématique. Comme quoi je disais qu'il y avait une cinématique tout à l'heure, mais non, j'ai des bêtises. Il y en a une, je crois, à chaque changement de zone. Et je dis pas de bêtises. Alors, je veux dire, le seul défaut que je pourrais donner du jeu,
C'est que dans la première partie Divinity 2, c'est quand on arrive là à Bourg-le-Marais, donc la première grande zone, elle est fantastique. Énormément de choses à faire, il y a vraiment, c'est vraiment génial. Quand on arrive dans la zone d'après, bah ça retombe un peu en intérêt. Faut le reconnaître parce que on peut se transformer en dragon, donc du coup ça devient plus difficile. Et voilà, ça change complètement le style de la map, le level design change complètement. Donc c'est un peu perturbant, mais je vous conseille vraiment de persister à ce moment-là. Parce que moi la première fois j'avais arrêté à ce moment-là. Et parce que bah, du coup après on a la base, tout ça, et c'est vraiment cool. Et surtout, après avoir fini Divinity 2, il y a Flame of Vengeance, donc l'add-on qui est directement intégré dedans. Et il est fantastique. Ça se passe dans une grande ville, totalement nouvelle. On rencontre beaucoup de personnages non joueurs et énormément de quêtes qui se réussissent seulement à la tchatch. Il y a beaucoup moins de combats. Et c'est rien que pour aller jusqu'à l'add-on, je vous conseille vraiment de vous battre vraiment le début incroyable, le milieu un peu mou et le final grandiose. Donc voilà. C'est pour vous donner envie. Il faut persister, il faut avoir du temps, c'est sûr, mais franchement, vous ne le regrettez pas. C'est un des meilleurs RPG, un des meilleurs jeux de la 360. Donc vraiment, je suis très très content qu'il ait mis en rétro. Il était temps et le méritait. Donc voilà, super, on arrive dans la première zone. Comme vous avez pu le voir, il y a un peu de gobelins qui traînent. Sinon, pour le framerate, tout ça accompagné, tout a l'air nickel. On n'aurait pas dit non à un petit patch 4K. Mais non, on va pas faire les fines bouches. Du coup, j'ai envie d'y rejouer. Vous voyez, je regarde pendant que ça charge, je regarde la jaquette et tout, je suis pris dedans. Parce que j'ai adoré hein, vraiment Original Sin sur Xbox One, que je conseille également. Mais c'est différent. C'est quand même en dessous. L'écriture est aussi génialissime, mais c'est de la 2D isométrique, donc. C'est de la 3D isométrique, pardon. Donc, du coup, c'est quand même moins. Moins immersif. Là c'est vraiment, on se balade dans un open world. Donc c'est quand même moins immersif, c'est vrai. Et c'était beaucoup plus difficile. Original Sin, moi j'ai dû le finir en facile, parce que j'y arrivais pas. Je mourais à chaque fois dans les combats, c'était trop. Ce jour restera gravé dans les annales. Allez, au boulot. Au boulot. Pas si vite. Voilà. Modère ton enthousiasme. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi une mission pour toi. Va dans le village, je serai certainement dans la caserne. Ça leur donne l'impression. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la carte du monde. Que vous voyez la différence, vous voyez, voilà. Là, nous, on est juste ici, au village du début. Et voilà, tout ça, on peut l'explorer librement. Et voilà, ça va... Là, la première zone, c'est facile. 15-20 heures de jeu facile. Hein. Hop, ça, c'est les téléporteurs. Voilà, pour les voyages rapides, c'est toujours pratique. Hop, vous voyez, l'exploration est libre. Hein. Je crois qu'il faut que... Genre, je m'arme, j'ai pas de... Non, si, je l'ai déjà. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, là, j'ai équipé mon arme. D'accord. Donc, vous voyez, avec A, je peux utiliser l'arme. Le X, on a les raccourcis touches, hein, un peu comme dans Hack and Slash, pour utiliser les compétences. Hop. Bien le bonjour, Draconis. Bienvenue, Draconis. Vous voyez, là, du coup, on parle rapidement avec le mec qui nous explique le village. Et on peut, par exemple, lire ses pensées. Là, ça me coûte 33 points d'expérience. On va essayer. Et voilà, là, le mec a rien d'important à dire. Alors, je vous donne une petite astuce qui pourra vous aider pour le jeu. Même parce qu'on est tenté de lire les pensées de tout le monde. Mais en général, quand les points d'expérience sont faibles, là où il y a 33 points d'expérience... ou des choses comme ça, ça veut dire que le mec a pas des trucs importants à dire, tout simplement. Si par contre, en niveau point d'expérience, ça compte 1000 points d'expérience, 600, 700, bah là, vous êtes sûr qu'il y a un élément important. Ouais, c'est un petit, une petite faille qu'on peut déceler assez rapidement. Donc je vous le dis, ça vous évitera juste de regarder pour rien les pensées des gens en dépensant vos points d'expérience difficilement acquises, surtout au début où on veut monter en compétences. Mais voilà. Et vous pouvez aussi tricher. Il y en a qui trichent. Moi, je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est pas très intéressant. C'est qu'il y a une technique qui consiste à sauvegarder juste avant de discuter avec quelqu'un. Ensuite, de lire ses pensées. De voir si c'est intéressant ou pas pour le jeu. Et de recharger la sauvegarde si c'est pas intéressant pour économiser points d'expérience. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas fait. C'est pas vraiment mon délire de tricher dans les jeux de rôle et tout, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, sinon on tente pas de jouer, c'est un jeu de rôle. Mais bon, voilà. Vous l'avez l'astuce, vous en faites ce que vous voulez. Et va nous chercher de la bière. Donc là, on a les beaufs de service, vous voyez, hop, on va aller parler au tenancier du bar.
pas voler. Bonjour Draconis, vous êtes. Là, hop, pas intéressant. Vous voyez, vous pouvez faire du commerce aussi. Là, voilà. Selon l'intérêt que les gens pour vous. Arrivés. Les braillards dérangent toujours, mais ils ont effrayé tous mes clients. Vous voulez dire que vous allez faire quelque chose? Ouais, là, hop, j'ai la première quête. Donc j'ai ma première quête annexe. Faut que je débarrasse ces tocards d'ici. Donc on va leur parler. Dépêche-toi, ma belle. À Buck. Quoi? Voilà. Qui êtes-vous? Vous êtes... Oh, douce Elsa. Je sais pas par où... Hé, hey, les gars, ce drap... Voilà, on va se friter un peu. Ah! Je sens que... J'aurais peut-être pas... Au nom de l'élu divin, chef! Vous êtes sous comme des... Draconis, dites-moi ce qui s'est passé ici. État d'ébriété. Oui, j'aurais pu la jouer cool, ou là je les ai balancés directement à leur supérieur. Donc ils se sont fait virer. Et voilà. Hop, comme ça j'ai débarrassé le plancher. Alors que j'aurais pu la jouer en essayant de parler discrètement tranquillement avec eux. J'y vais tout de suite. Hop, allons régler la quête. Et vous avez tenu parole, Elsa et moi. Et voilà, comme je l'ai dit, on choisit maintenant qu'est-ce qu'on veut. Bon, on va prendre l'expérience. On va pas prendre une cuillère quand même. Et voilà, hop, un niveau gagné. Super, comme ça ça permet de montrer. Donc vous voyez là les compétences. Hop, vous voyez selon la ranger. Vous pouvez même partir hein, dans le guerrier et tout. Alors on va développer un peu le... Non, on peut pas. Voilà, hop. Honnêtement je développe n'importe quoi. Hein. De toute façon on n'est pas... Voilà, hop, c'est bon. Et ici on augmente la force, la dextérité ou l'intelligence. On va tout mettre en dextérité hein, vu qu'on est un ranger, voilà. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, je joue rapidement. Après, il y a plein de choses. Vous pouvez visiter là, l'auberge si vous voulez. On va aller voir un peu les combats dehors. Alors, normalement, là, ma quête principale, je dois aller... je dois interroger un peu les gens du village pour leur demander ce qui se passe rapport au dragon qui a été vu dans le secteur. Mais bon, voilà, on va pas faire toute l'histoire. Rien que le premier village, il y a pas mal de choses à regarder. Il y a énormément de quêtes, comme je vous ai dit. Faut vraiment parler à tout le monde. Parce que le moindre petit détail, même des fois des quêtes se débloquent en lisant les pensées ou en tombant sur quelqu'un. Comme vous avez vu tout à l'heure, on est rentré dans l'auberge. Ben on a eu la quête qui s'est débloquée, ainsi de suite. Vraiment très 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 immersif. Par contre, faites gaffe quand vous partez en randonnée. Parce que comme vous allez voir, les combats, c'est pas super facile. Les combats sont sympas, mais à faible level, c'est pas super facile. Voilà, hop, partons à l'aventure. Parce que vous êtes bien sûr libre de partir totalement à la barbare pour vous battre. Ah oui, d'accord. Je me disais, ça ne faisait rien, mais il fallait quand même voir la cinématique, vu que c'est les premiers ennemis. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de cinématiques, mais c'est vraiment au tout début du jeu. Hein. C'est parce que là, on est encore dans l'intro, mais après, il y en a beaucoup moins. Voilà, comme je vous avais dit, vous avez vu l'avantage d'être archer. C'est que j'ai pu leur pourrir la gueule en sautant en arrière et je me suis pas fait toucher. Parce que dès le début, on n'a pas beaucoup de points de vie. Hop, bien sûr, on peut fouiller dans les cadavres et compagnie. Alors là, je me souviens très bien du jeu. Il y a un point de vigie, donc il y a un mec là-haut qui est bloqué. Voilà. Si on, voilà, il a 320 points d'expérience, donc on se doute qu'il y a une récompense pas mal. Et voilà, du coup, ça a augmenté ma perspicacité. Je suis coincé ici, ils ont pris mon grappin. S'il vous plaît, est formidable. Donc voilà, hop, il m'a donné une mission, c'est faut que je me débarrasse des gobelins. Mais c'est eux qui vont se débarrasser de moi si ça continue. Merde, ils ont un mage. Qui leur redonne de l'énergie. Hop, arrête tes conneries. Téléphone. Hop, là je peux lancer des flèches empoisonnées. Vous avez vu la compétence qui recharge comme dans un hack and slash. Hop, ça c'est du butin qui clignote. Franchement, le fait de jouer archer, ça change quand même beaucoup. Hein. C'est un peu un petit côté shoot them up. Le grappin est juste là. Bon. Et voilà. Donc du coup, j'ai fini la quête de ce tocard.
Comment on ramasse ça déjà? Ah oui, voilà. Ah oui, il faut le pointer. Le grappin, je l'ai. Il faut le pointer avec le curseur. Hein, pour, C'est gobelin. Normalement, je m'attrouille, on s'est pépé. J'ai réussi à. Il y a des arts, vous pouvez prévenir. Voilà, hop, maintenant il faudra aller voir son supérieur. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, je me souviens bien du jeu. On a le droit à un camp de gobelins. Non, même pas, non, c'est une ferme. Vous voyez, je dis des bêtises. C'est une ferme et il y a des soldats qui veulent bouffer un cochon, si je crois. À un moment, et voilà. Et il faudra sauver le cochon. Pourquoi c'est toujours nous qui montons la garde? Donc ouais, voilà, bon, moi je vais. Vous voyez un peu l'ambiance. Vous faites sûrement des choses bien plus intéressantes. Il y a pas mal de choses à voir. Vous avez besoin de quelque chose. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Drac. Non, c'est pas intéressant. Mais n'en parlez pas à moi. Ouais, elle. Alors voilà, ça c'est cool. Du coup, j'ai bien fait de finir sur cette quête. Ça montre aussi les quêtes ont pas mal de choses à voir différentes. Alors, je pourrais très bien aller voir le mec au bistrot, donc qui est l'amant de la gonzesse, pour lui donner la lettre. Ou alors, je vais faire l'enfoiré. Et je vais le donner à son mari directement. Alors, il faut aller dans l'inventaire. Hop. Allez, on va lire la lettre d'amour. On va la lire. Hop, on l'a décellée. Briser le sourire là. Et voilà, donc j'ai décellé la lettre. Donc je pourrais aller faire chanter la gonzesse. Ou voilà, je vais la donner à son gars. Merci de m'avoir rapporté cette. Et voilà, donc la quête a échoué. Et j'ai fait le salaud, mais voilà, regardez. T'es qu'une traînée. Qu'est-ce qui te prend? Donc voilà, ou sinon j'aurais pu faire la quête tout simplement, aller donner la lettre à son amant et il l'aurait ramené, il serait parti. Et donc là, le forgeron a été hyper triste. Fiche-moi le camp et va retrouver ton forgeron. Je veux plus jamais te voir ici. Voilà. Et du coup, avec le forgeron, bah, du coup, après, il va se plaindre parce que la gonzesse est venue chez lui et va dire qu'on aura mieux fait de ne pas l'amener. Donc vous voyez là, hop, on voit le niveau. Quand vous voyez au-dessus, à côté de Gobelin Tribal 2, c'est son niveau. Donc voilà, hop. Plus le niveau est haut, forcément, plus on gagne d'expérience. Et tout. Et là, en face, je sais qu'il y a un camp de gobelins qui est assez difficile. Vous voyez, si on avance trop vite, on va se faire ratatiner. Mais on va aller le voir quand même. Et voilà, hop, il me prend une boule de feu dans la gueule. Vous voyez, là, j'en fais pas peur de grand-chose. Ah! Je rappelle, c'était Divinity 2, The Dragon Knight Saga. Vraiment un super RPG. Vous avez vu là, rien que refaire le début, j'étais complètement dedans. Je vais me le refaire avec plaisir sur Xbox One. Donc le jeu est bien sûr disponible également sur PC. Il est jamais sorti sur PS3, donc de toute façon, voilà, c'était une exclue PC et Xbox 360. Et maintenant, disponible en rétro sur Xbox One. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pouce bleu si vous avez apprécié. Pensez à vous abonner, activer les notifications, tout le bazar. Moi, je vous dis longue vie à tous. À la prochaine. Salut !